Bonjour tout le monde, et c'est Great One. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Et pendant que je m'installe, je vous rappelle que ce sont juste des missions secondaires, les Snake Tales, parce qu'on est de retour, évidemment. Il nous reste 3 missions. Les deux premières, on se rappelle. Il me reste 3, j'espère faire les 3 dans cette vidéo-là. Faudrait pas que ça dépasse 1h30, en tout cas pas trop. Que voudrais-je dire aussi, c'est que c'est seulement la deuxième fois que je l'ai fait en 2-3 ans, donc soyez indulgents, c'est logique si je fais des fails, et de toute façon, il y en a parmi d'entre vous qui aiment les fails, donc non, moi aussi, hein, ça me fait marrer, vous m'entendez rigoler en général. Du coup, on est parti pour Confidential Legacy. Et bordel, qu'est-ce qui fait chaud chez moi, je suis à côté du chauffage en même temps, quelle idée. Alors, Confidential Legacy. Héritage confidentiel, alors, n'hésitez pas à mettre... Ah, on est sur le tanker, c'est bien ça. N'hésitez pas à mettre pause pour lire les textes, parce que je vais pas tout lire, parce que sinon j'aurai pas le temps. Le vent hurlait, gna. Snake le va. Campbell s'était rendu chez Snake dans l'Alaska, contrairement à Snake qui avait pris sa retraite. Campbell avait décroché un poste à l'agence de renseignement de la défense, d'accord. Je me souviens d'un certain Sergei Glukovitch. Ouais, on se souvient. Comment des Fox Sound, Glukovitch l'avait humilié à plusieurs reprises. Ah, attendez, 2 secondes. Ah oui, ok. C'est Gurlukovitch qui avait humilié Campbell à plusieurs reprises. Depuis, ses troupes passaient d'un point chaud à l'autre, vendant leur service. Metal Gear. Hein. Oh, le Metal Gear est en jeu. Comme la Snake, les aussi. Depuis l'incident de Shaul Moses, ses caractéristiques sur le marché noir. Donc, ça, c'est comme en vrai, enfin, comme la véritable histoire. Eldera était un petit pays d'Amérique latine en pleine guerre civile, un petit peu comme dans Peace Walker finalement, sauf que c'est pas Eldera. La guerre froide s'est terminée avec l'influence. Mercenaires et des marchands d'armes ne cessaient d'entrer et de sortir. Ok, nouveau type de Metal Gear, visiblement il y a un nouveau type de Metal Gear, il y avait encore des gens qui croyaient à la menace, et les marines étaient là pour tenter de détruire. Non, ils sont vrai qu'ils étaient là pour s'en emparer. Ah d'accord, les marines voulaient s'en emparer. D'accord. En d'autres termes, Eldera avait réussi à se procurer un nouveau type de Metal Gear, les Marines voulaient s'en emparer, et Gurlukovitch voulait le voler aux Marines. Ah, carrément, quoi, d'accord, c'est Eldera qui a le Metal Gear, les Marines veulent le voler, mais Gurlukovitch veulent voler le Metal Gear aux Marines. Quand même, proposer à Snake de courir après Gurlukovitch, désolé, mais il faudra trouver quelqu'un d'autre cette fois. Je ne suis plus un héros, Snake, il est en change, colonel, et il est temps de passer à autre chose. Tu veux dire se retirer du militaire? Non, je veux dire cesser cette sale vendetta contre Gurlukovitch, effectivement. Effectivement, ça serait une bonne chose. C'est pour ça que tu rejoins, oui, tu as raison. Gna, avait mangé ça, Campbell serait des points de vérité que Meryl était de la mission. Oh! D'accord. Meryl fait partie de la mission, un petit peu comme des Metal Gear Solid 1. Snake s'agrippe à la corde. Meryl Silverberg, la nièce à Campbell, qui a risqué sa vie avec Snake à Shadow Moses. Ils avaient même vécu ensemble, puis 6 mois plus tôt, Meryl l'avait quitté. Elle avait dit qu'elle avait quelque chose d'important à régler. Sa voix était décidée, ses yeux étaient clairs et froids comme l'acier. Snake ne pouvait pas l'arrêter. Grimpe à la corde, gna, c'est Snake, j'ai réussi à m'infiltrer. Ok. Ok, il y a un nouveau type de Metal Gear, il y aurait Meryl aussi, waouh. Allez, je vais essayer d'entrer en contact avec Meryl, c'est parti. C'est seulement 6 mois après leur rupture. Bon, oula, on est arrivé sur le tanker, faut qu'on rejoigne Meryl, mais là, il y a du monde. Freeze. J'ai vu le garde à gauche. Apparemment, il s'en bat les steaks. Donc on va fouiller le navire avant d'entrer, je suppose que c'est toujours la même porte, c'est-à-dire de l'autre côté, pas ici. Ouais. Allez, c'est parti, donc j'ai pas de M9, hein. Non, j'ai pas de M9, j'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, on fouille, donc là il y a rien. On est en mode MGS1 à niveau de la tenue, à part que c'est en HD, quoi. Et encore, HD c'est vite dit, mais voilà, on est avec la petite doudoune par-dessus, les genouillères un petit peu plus, et... Ah, le fail que je fais. Allez, c'est parti. J'espère que ça va pas me prendre 47 vidéos. Il y a un soldat là-bas, ouais. Je suis sûr qu'il y en a un qui va arriver. Allez, viens, copain. Ah, voyez. Go. Go, 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 on va se le faire. Freeze. Hey. Die today. Alors je suppose qu'il n'y a que 3 soldats dans cette... Oh, une boîte en carton mouillée. Intéressant. Il n'y a que 3 soldats, du coup le soldat d'en bas, je pourrais le tuer. Lui là. Ah non, il y en a 4. Il y a lui aussi. Fuck.
Ou alors c'est le même. Non, c'est le même. Je dis n'importe quoi. On va voir si j'ai une alerte, hein. Are you kidding me? Bon, je vais descendre déjà d'un niveau. Grenade chaff. Merci. Alors, qu'y a-t-il de ce côté-là? Ici, y a rien. Ici, non. Je voudrais le tuer, lui, en fait. Non, non, y a personne d'autre, normalement. C'est pas beau, ça? Bon, je fouille par là, maintenant. Y a rien. Et y'a rien, super. Bon, j'aurais mieux fait de pas le tuer, j'aurais gardé une balle. Bon, c'est pas grave, allez, on rentre. Et je pense qu'on va avoir un rhume à cause de ça. Tchoukloum. Allez, let's go. Alors, faut qu'on prenne contact avec Meryl aussi, apparemment il y a un nouveau type de Metal Gear, etc, etc. Ah, fuck. N'éternue pas comme ça. Go. Freeze. Est-ce que j'entends l'autre? J'ai entendu l'autre marcher. Il y en a un autre, c'est sûr. Mais oui, exactement. Ah, le corps me gêne. Bordel, je peux pas me coller au mur. On le ramène. Tiens, je te mets là. C'est cadeau. Alors, donc pas tirer en intérieur parce que sinon. Il y a lui là-bas. Bon, il est rentré. Je fouille. Je pense pas qu'il va rentrer. Attends. Oh! Hello! Ça, c'est pour vous, hein, c'est cadeau. Fermé. Ah, yes! Un médicament. Je prends. Merci. Donc, c'est bon. Je suis plus. La boîte mouillée. Je suis plus. Enrhumé en quelque sorte. Je fouille tout, n'est-ce pas? Tac. Une ration. Hello. Bon. Bordel. Ouais, c'est ça. Boum, boum, boum. Vite, avant Snake. Avant l'alarme. Yes. Comment que j'ai esquivé l'alarme? Je sais pas où il était en fait, c'est pour ça. Ok, oh là. Il y a l'autre là-bas qui regarde la télé. C'est tout? Ok, non, il fait pas que regarder. Oui, il y a deux hommes là qui dansent, qui écoutent la musique ensemble, c'est beau. C'est beau, mais ça m'arrange pas. Et il y a l'autre qui est, qui est à droite, donc j'attends qu'il repasse. Ça va être dur là, hein, je vous l'avoue. J'ai pas de M9 perso. On va juste savoir le passage qu'il fait. Ok, il fait toujours pareil. Hop. Ah, d'accord. Il y a des caisses ici. C'est génial. Du coup, d'ici, ça va être dur. Parce que là, ils m'attendent limite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser de l'autre côté. Parce que, ah oui, je voulais pas montrer. Parce qu'en fait, on peut ouvrir de l'autre côté. Pour ceux qui n'auraient pas vu. On pourrait sortir par là même. Ça y est, il arrive. D'accord, il fait un passage, ok. Ah ouais, je pourrais ouvrir ici. Pas mal. Voilà, lui normalement il vient pas jusque là. Je vais le tuer d'ailleurs. Vite. Freeze. Attends, je t'emmène hors de vue. Voilà, parce que l'autre, ça se trouve, il est revenu. Hein. C'est pour ça que je fais ça. Je sais pas du tout si l'autre est revenu ou pas, mais je pense que oui. Oh, médecine, encore. Ok, où je ressors dehors. Ah, il est mort encore. Bon, parfait.
Parfait, parfait, on va passer de l'autre côté du coup. Allez. Go. Nous y sommes. Deck A. Cruise Lounge. Ok. Ah. Pendant qu'il n'y a personne. Super, la roulade foirée. Je sais pas s'il y a quelque chose en bas. Des balles de M4 ou M9. M4, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être de l'action, n'est-ce pas? Get AKU, gna gna gna. Donc ça c'est mort de passer par là. Comment je me les fais eux, du coup? Parce que je vais devoir monter les escaliers, c'est clair. On est d'accord. Puis il y a surtout l'autre aussi. Regardez cette technique, regardez cette technique. Date technique. Non, 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 tu n'alertes personne. Tu n'alertes personne, vite, vite, vite. Ah, oh, je suis en alerte, trop tard. Too late, putain de bordel de merde. Freeze. Tu te fous de moi, je dis freeze, tu s'en retournes, rien à foutre. Esquive. Ah non, j'ai pas esquive. Vite. La seule cachette, bordel. Ouh, du stress, du stress. Alors c'est dommage que le freeze n'ait pas marché, hein, mais bon, tant pis. Et les autres, en fait, si vous avez vu qu'au moment où ils déclarent l'alerte, si vous arrivez à leur faire perdre la radio, enfin, le contact radio temporairement, disons en les touchant, les frappant, les... lancer un objet ou quoi que ce soit, l'alerte n'est pas donnée aussitôt du coup, parce que le garde de l'autre côté de la radio n'a pas eu la transmission exacte. Et là, du coup, je vais attendre la fin de la caution, enfin de la prudence. Et là, du coup, malheureusement, ils ont réussi à aller jusqu'au bout, même si j'ai tiré. Et là, quand je suis arrivé dans cette salle-là, on était en évasion. J'ai voulu friser l'autre, sauf que l'autre, rien à foutre. Donc apparemment, ces soldats-là, ils ne se font pas friser en état d'évasion, d'accord. Ça, je m'en rappellerai. Ouh, il est là. Vous avez vu? Bon. Ah oui, puis première chose aussi, c'est que l'autre, vous savez, quand j'ai frappé au mur, il m'a vu en fait quand j'étais sur le côté droit. Au tout début, quand on est passé dans l'autre salle. Je pensais pas qu'il allait me voir en fait, mais si, il m'a vu, donc bon. Pas de chance. Allez, fin de prudence. Ouh, il y a quelqu'un qui est juste à côté. Ah, il est là. Il y en a un qui est là. Ah. Oh, il passe. Ouais. Champion. C'est pas être champion du monde, ça. Comment je t'esquive l'alerte? Comment que je t'esquive cette alerte, quoi? En attendant. Ah. J'ai combien de vie? Pas beaucoup. Ok, là c'est free. C'est cool. Ok, on se dépêche parce que l'autre. Tant pis. Oh, il m'a même pas vu. Ok, prudence. Je me casse. Il y a du monde du coup ici en prudence. Ah ouais, il y a l'autre là-bas. Waouh, le nombre de caméras. Attendre la prudence, hein, mais faut pas me permettre de rater à chaque fois aussi. Puis les caméras vont me repérer directement si je fais n'importe quoi. J'hésite à frapper dans le mur, mais ça serait dommageable. Bon, on va attendre. Désolé, mais c'est comme ça.
Non, pas la wet box. Je peux. Non. Je choisis la même chose. Voilà ça. Ça se voit que je le fais pas souvent. Alors. Toudoum. Voilà. Stay sharp. Bonjour. Vas-y, vas-y, vas-y. Freeze! Me ferai pas repérer. Et en plus, ce qui est beau, je voulais le toucher, enfin l'attraper avant les caméras, vous voyez, donc c'est fait. Je vais pas détruire les caméras parce que... est-ce que ça fait une alerte si je les détruis? Je sais pas s'il y a d'autres gardes. Au cas où, hein, tant pis. Allez, fuck. Fuck it. Voilà. Il va falloir aller en haut, pardon, en haut. Ok, vite, 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 cours, 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 cours. Vision thermique, ça c'est intéressant. Là, y a rien. On se dépêche, on monte en haut. Ah, c'est plus chaud, hein. Et allez, voilà, nous y sommes. Personne de ce côté-là. Il doit être du côté de la porte. Il y en a un qui dort. Oh, il y a lui. Freeze! Et toi, je te déglingue la nuque. Clic, voilà. Ah, une boîte en carton normale. Enfin, qui me permettra de me dissimuler. Ici. Alors. C'est pas du tout si les soldats viennent jusqu'ici, ni quoi que ce soit. J'ai pas de silencieux, sinon j'aurais détruit les lasers. Je sais pas s'il y a quelque chose à récupérer là-bas. Hop. Ok, donc c'est comme d'hab, on peut passer en dessous facilement. Mais est-ce qu'il y a un soldat? C'est ça la question. On va risquer la chose. Attention quand même. Attention quand même. Je sais pas s'il y a quelqu'un là. Wouah! Il me fait peur! Ouais. Y'a personne! C'est génial! J'ai eu peur, hein, de toucher les trucs. Bon. On esquive le soldat du coup. Go! Et voilà, on a vu Meryl, c'est pas beau, ben ça serait... Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais seulement te voir. Gna 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 gna, en fait, j'ai planté que la moitié. Donc mets tes pots si vous voulez lire, c'est moi qui t'ai envoyé. Tu en as que tu veux venir ici, tu peux parler. Je vais entrer dans notre pays sous le couvert d'une opération militaire, alors que tout ce que tu veux, c'est le Metal Gear. Hein, Condamnator, c'est ça la chose importante que tu avais réglé, tu comprendrais pas. Ok, quelqu'un comme toi qui passerait volontiers le reste de ta vie à s'occuper des chiens de traîneau, tu peux pas comprendre. Quand ça critique, seulement le plus vite dans la haine. Je refuse de voir la réalité en face. C'est pour ça que tu es parti, non, c'est pas pour ça, gna 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 gna, disait que c'est pour ça, une expérience, gna gna gna, 6 mois de préparation avait été créé. Mon père, il est mort ici, dans ce pays. Matt Campbell, le père de Meryl et le frère cadet de Campbell, était un agent de la DIA. Je voulais voir ce que mon père a vu. J'ai admiré Snake part d'ici. Mon champ de bataille, je ne veux qu'une personne. Il est trop tard, je me suis déjà amené, rien de te faire changer d'avis, rien. Cette mission était censée être top secret, alors comment, girl de Kobe, j'ai entendu un peu, c'est aussi que je voulais savoir, tu crois, Meryl a raison, n'importe quoi. Comme tu es déjà au courant, je suppose que n'importe qui pourrait l'être.
Oui, le Metal Gear dans la soute. Bien, je vais voir, tu mérites le coupage, je ne suis pas sous tes ordres, chacun de son côté, mais si tu veux aller dans la soute, il va falloir que je fasse quelque chose à propos des cartons qui bloquent l'escalier du premier pont. Ah, c'est les caisses où que j'étais, peut-être. Ah, vous connaissez bien, Meryl était parti. Non! Ah, le con. Je voulais sauvegarder. Bon, tant pis. C'est un fail. C'est le fail. Ration. Du coup, normalement, hein, on n'est pas forcément obligé de sortir, je pense. On va essayer de sortir. Ah, il veut pas sortir, donc faut qu'on redescende, c'est clair. Faut qu'on redescende, ok. Eh ben, redescendons. Faut aller dans la soute. Donc, on est reparti. Et l'autre, il est encore à côté. Donc, bah, let's go. Thermic. Ah, ils ont changé les rayons de style, hein, apparemment. Si je touche pas, ça va. Alors, toujours mieux, vaut mieux regarder toujours. Il est toujours là, lui. Freeze! Je vais le voir parce qu'il y a peut-être un truc à récupérer à côté où il y a l'autre soldat qui bouge là, qui fait je sais pas quoi. D'ailleurs, je vais pouvoir le tuer. Yeah. Je sais comment l'avoir, je sais. Alors. Oui, là, je pense qu'il n'y a plus de rayon. Non? Et là-bas. What, deux soldats? Non, 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 je peux pas m'occuper de deux soldats par contre. J'ai pas envie de perdre plus d'énergie que ça. J'ai que ça plus une ration, sachant qu'il va forcément y avoir un moment de fight. Donc non, ne pas passer trop près de la porte. Hop là. Allez, let's go. Ouais, le garde. Peut-être grenade chaff. Freeze. Désolé. Ok, ça c'est géré, on y va. C'est le premier étage que j'ai peur parce que... Il va y avoir du monde. Ouais, ouais, ouais. Et limite, si j'arrive à ressortir dehors, vous savez, ce serait bon. Comment je pourrais faire là? De M4. Là, y a un soldat tout à l'heure, je l'ai vu. Personne? Ils sont restés morts? Oh. Franchement, s'ils sont restés morts, c'est magnifique. Ils sont pas restés morts. On continue tout doucement. Tout doucement. Ah, il y a quelqu'un. Ouais, ouais, ouais. Freeze. Il y a clic. Voilà. Par contre, j'ai pas le AKS ni quoi que ce soit. Ok, j'ai rien dit. Merci pour le M4, c'est tellement gentil. Du coup, je peux pas sortir par là. J'ai gagné le M4 déjà. Des balles de M4, où est-ce que j'en ai vu? J'ai plus du tout. Là, non, à gauche? Je sais plus. M4, ok, je vais pouvoir me défendre un minimum. Quelqu'un par là? Pour l'instant non. Pour l'instant non. Pour l'instant non. Désolé mais je suis concentré. Ah si. Là. Go 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 go.
Freeze. Ah, clic. Voilà. Là, vas-y, ouvre ça. Y'a rien, toujours comme d'hab. Donc ici c'est bon, y'a plus personne. Donc là on va rigoler parce qu'il va y avoir du monde. Enfin, je sais pas comment je vais faire parce que vous savez, les deux gardes qui sont assis là, ça va être dur de les gérer. Let's go. Bordel, comment je vais faire? Ok, les deux gardes ils sont plus assis là. Mais il y en a partout. Comment je vais gérer ça? Il y a lui. Comment je vais gérer ça? Si je continue, ça me fait recommencer de l'autre côté en fait. C'est ça qui est chiant. Faudrait que j'aille vers la droite de toute façon. Au pire, j'y vais à l'arrache. Hein. Tant pis. De toute façon, on les voit même pas. Il y a un bouc là-bas, mais je m'en fous. Go, allez, je m'en fous. Rien à foutre. What? Freeze. Je me suis même pas fait repérer, c'est génial ça. Vite, 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 vite. Oh la chance. Vous avez vu, hein, j'y suis allé à la Zub, clairement. Et les caisses, vous avez vu, ont été bougées. Engine Room. Oh la chance que j'ai. À l'arrache, hein, franchement. Je savais pas. Oh, Raven est encore là. Il y a un soldat? Non? Oui, non, peut-être. Bonjour Raven, je vais pas te tirer dessus. Pentazemine, alors ça c'est intéressant. Night Vision Google, il va faire nuit sûrement à un moment donné. Ça c'est pour les homosexuels, les personnes gays, c'est pas comme vous voulez, en fait ce que vous voulez. Ça me regarde. Ah! Fuck. Et non, il y a rien ici. Magnifique Raven quand même. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quelqu'un là-bas. D'accord. Ah. Non, personne n'est à mon étage, en fait, pour l'instant. Il y en a qui peuvent me voir, toujours. Il y en a un là, un là-bas. Ouais, ça va être chiant, ça. Ok. Il y a lui. Ok. Il passe comme ça. Il va par là. Ok. Freeze! Ah, oh, cette technique. On sent que... Il y a des restes encore de mission VR, parce que dans les missions VR, si vous connaissez pas les niveaux par cœur et que vous les avez pas fait je sais pas combien de fois, après ça veut pas dire que je vais pas me planter, hein. Là je vais clairement me planter. Franchement, si je me fais pas repérer, c'est que le jeu est avec moi. Il y a l'autre qui est en dessous. Pour l'instant c'est le seul danger qu'il y a autour. Clac. J'ai une idée. Non, faudrait qu'il sera juste en dessous. Faudra qu'il sera, oui. Faudra qu'il soit. Allez. C'est pas beau, ça, comme technique. Ah, merde, il a vu l'autre. Je suis bête. J'aurais dû planquer. Ouais, bah on va attendre la prudence. Je le savais qu'il allait trouver le garde, bordel. C'est lui en fait. Ouais. Vivi. Vas-y, continue ta route. Vas-y. Fais ta life. J'attends juste que la prudence parte. Je suis désolé, hein, mais la prudence, ça veut dire qu'il y a... Bah voilà, qu'il y a des gardes comme ça qui se déplacent et qu'on sait pas du tout où ils sont comparé aux gardes normaux qui ont toujours le même style de chemin. Hein. C'est pour ça que je fais gaffe. C'est pour ça. Vas-y. Oh shit. Donc lui, je sais pas comment je vais faire pour l'avoir. Allez, c'est bientôt fini. Ah, lui, il va me voir si... Ah... Non.
Non, c'est bon, il prend pas les... Ouais, ding. Retournez à vos postes. Restez vigilants. C'est dommage que j'avais la bonne technique, hein. J'allais l'avoir, mais j'ai laissé le garde, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Les autres gardes, ils reviennent pas? Apparemment, il reste beaucoup de ce côté-là, lui. J'ai une idée comment l'avoir. Hop, 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 hop. Vas-y, vas-y, vas-y. Freeze! Il y a l'auto dessus, hein, je sais, on l'a vu. Oh, il y a un truc à récupérer là-bas. Il y a un truc à récupérer là-bas. Mais c'est pas grandiose tout ça. Qu'est-ce donc? Un PSG, hein. Yes, heureusement que je fais gaffe quand même. Comment je pourrais l'avoir lui au-dessus? Je vais essayer de le faire descendre. Vas-y. Vas-y, Bobby. Vas-y, Bobby. Il se fait descendre. Tac. Voilà, il va venir normalement. Hop. Ah, non. Pas de boulette surtout, pas de boulette. Mais bon. Il repart trop vite. Ah, pendant qu'il repart, j'y vais. Aïe 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 aïe, carton. Ah, je suis dans la mouise. Yes, we're dans la mouise. Ah, c'est bon, il a rien vu. Je sais pas où il est. M'en fous, j'avance à l'arrache. Mais non, y'a personne. On va attendre qu'il reparte quand même. Il est reparti. Il est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il est reparti. Oh, il y a un truc à gauche. Regardez, tout en haut à gauche. Tac, il y a un truc sous la caisse. Hop là. Alors, il y a l'autre qui est en haut. Bon, il y a l'autre qui est là-bas, mais lui, on n'a rien à cirer. En tout cas, pour l'instant. Mais il y a l'autre. Il y a lui qui est en haut. Oh, USB. Ah, ça m'intéresserait, ça a mis à l'autre là-bas. Donc, tant pis. Il y a lui qui est intéressant et voilà, il y a lui. Bordel. Par où tu vas toi? Après tu vas par là, ok. Si je vais avec ma boîte à l'arrache. J'espère qu'il va pas venir me voir. Je pourrais me le faire ici, quand il s'arrête là en fait. Ouais, je vais le faire tout à l'heure parce que là j'ai attendu trop de temps. Ouais, je vais faire ça parce que vous voyez la passerelle où il est, ça fait du bruit. Donc forcément je vais pas y aller à l'arrache. Allez, vas-y, refais ton chemin. Ça va, pour l'instant je m'en sors pas trop mal, même malgré les quelques alertes. Mais bon, sinon... Pour avoir fait le jeu qu'une seule fois, enfin ces missions-là qu'une seule fois, il y a très longtemps, il y a plus de 2 ans. Non, peut-être pas plus, mais il y a 2 ans au moins. Hop. Freeze. Freeze, hijo de puta. Ensuite, il y a l'autre qui est au-dessus, qui pourrait me voir ici. Faut que je fasse gaffe. Hein. Ah, carton, carton, carton. Eh ouais. Freeze. Magnifique. Magnifique. Je n'ai rien d'autre à dire. Oui, je sais, je suis extrêmement... Extrêmement... Et en fait, tout le monde est mort, sauf l'autre. Du coup, je pourrais le tuer. Et peut-être récupérer les munitions du USP qui sont cachées... Oh. M9, oh merci. Oh, thank you. Oh, le M9, ça fait tellement du bien d'avoir un M9, sérieusement. Really? Je sais pas s'il y a quelqu'un, je monte à l'arrache. À l'arrache, il y a l'autre qui doit être par là-bas, quelque part, je sais pas, on le voit pas.
Bon, ça va pour l'instant. Oui, une fois que j'ai le M9, en fait, je suis clairement plus zen. En fait. C'est le fait d'avoir toujours la solution de aller, je l'endors, il me fait chier. Donc, c'est bon, j'ai le M9. Directement équipé du M9 d'ailleurs. Non, pas le carton. Donc, vous avez vu que le carton est très utile, hein, c'est pour ça. Et mais vous vous rendez compte aussi de la difficulté un petit peu améliorée. Désolé, j'ai un petit peu le hockey, donc c'est pour ça que je vous parle à plusieurs fois. Oh non, il y a rien. Y a quelqu'un là? Toujours vérifier. Non, y a personne. Ok. 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 PSG1T. Ici, il y a que dalle. Alors, au hasard, il y a des explosifs. Donc, lunettes vision nocturne qui sert à... Ouah, c'est horrible pour les yeux. Ça aussi. Alors là, où est ce dispositif? Ah, il y en a un là-bas. Oh fuck, ça va être dur. Bon, voyons si je me fais repérer si je tire une balle dans le tas. C'est bon. Ok. Toujours, faut regarder partout hein, pour ces boîtiers de commande là. Il n'y en a pas par là, il n'y en a pas là, il n'y en a pas. Non, 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 non. Parce que là, vu qu'ils étaient, vu qu'il y en avait là, un là, pardon, au début de la pièce, ils peuvent être partout. Ah mais là ça va être dur. Vu où il est. Il est juste derrière. Comment je fais? Comment je fais? Par en dessous, non? Si, il faudrait que je désactive les deux rayons là, mais je peux pas. Mais il est passé, je peux pas. D'après le Metal Gear est dans les soutes. Oui, oui, tout à fait. Ah. Non, je peux pas. Ok. Ok, ok, ok. Je me sers de mon intelligence, n'est-ce pas? Enfin, du peu que j'ai. Oh, j'ai eu peur, le bruit, j'ai eu peur, mais... Me faites pas peur comme ça? Peut-être faut se plaquer, non? Ça va être dur, là. Non mais là je touche là. Oh. Je sais pas du tout s'il fallait faire comme ça. Y'a plus rien, c'est bon, let's go. Personne, hop, let's go. Ah, je suis un petit peu soulagé là quand même. On progresse, j'aimerais bien un point de contrôle mais toujours pas. Tech 2. Alors. C'est le moment d'utiliser les lunettes de vision nocturne. Quelqu'un là? Oui, dans l'émission comme ça, les gardes sont toujours déplacés. Enfin, rien n'est à sa place hein, comparé à ce qu'on voit d'habitude. Personne devant. Les couleurs que ça fait, c'est bizarre. Personne là-bas, sûr? Sûr, sûr? Ouais, c'est sûr. Pour l'instant, il n'a pas encore spawné. J'entends du bruit. Personne? Oui, il y a un truc là. Oh, un silencieux pour l'USP, c'est gentil ça. Clic. Mais non, mais je... Ah, quoique, ouais, c'est une bonne idée quand même. Peut-être que je vais avoir besoin du M9 plus tard, ouais, mais je préfère le M9 quand même. J'ai froid, et on y va. Oui, j'ai froid. Tout à l'heure j'avais chaud, j'étais à côté du chauffage, là j'ai éteint le chauffage, j'ai ouvert la fenêtre, maintenant c'est inversé. Pourtant, je suis pas du tout frileux. Hein. Moi, perso, s'il fait pas 18, entre 16 et 18 degrés, j'ai chaud. Donc, bon. Personne ici? Personne. Il y a peut-être un truc derrière là, non? J'ai cru voir, non? Non? Ah, non. Là. Alors, désolé, hein, j'avance pas très vite, mais je précise que je ne l'ai fait qu'une seule fois. Détecteur. Alors, pour l'instant, il y a personne.
Apparemment là, c'est bon. Vraiment, regardez. Ok. Personne? Oh. Non. Non. Sérieux. Really? Bon bah écoutez, let's go. Rien à récupérer ici, rien, 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 tac. Allez, on y va. Ah ça, pour l'instant, ça se passe bien. Allez, go. Deck 2, starboard. Encore y avoir l'embuscade au hasard? Vraiment au hasard, hein. Je m'en rappelle plus, mais... Je l'ai pas, la KS-74U, j'ai dû le louper. Oh, y a des balles, là. Ça sent un petit peu l'embrouille. What? C'est quoi cette caméra? Ah, c'est bon. Il y a encore des munitions là-bas. On continue notre route. Je vérifie, hein, parce qu'un soldat est vite arrivé, comme on dit. M4. Ah, il va y avoir de l'action. Ça sent l'action. Ça sent l'action. Ça sent l'action. Pentazémine. Oh ouais, au sniper aussi, ça pourrait le faire. Let's go! Alors... Il faisait nuit noire dans le couloir, quelque chose bougea. C'est en plusieurs secondes, Snake se cacha dans l'ombre d'une casse. Il y eut un éclair, Snake entendit un coup de feu. Une balle lui frôla la tête. Bruit de fusil que l'on arme. Snake sortit son USP. Je sauvegarde au cas où, hein, je sais pas, parce que ça me remettrait de refaire tout le chemin jusqu'ici, vu la chance que j'ai eue. Surtout dans le couloir là, je sais pas si vous vous rappelez. Petit couloir à la con là. Alors, Confidential Legacy. Allez, c'est parti pour de l'action! Ok, comme d'hab, je le savais. Tac! PSG-1. Ah ah ah! Pou! Pou! You die! Oh, t'as de la chance là! Ah! Et ouais! Je bousille toutes les balles, mais j'en ai rien à cirer. C'est tout. Je sais, hein, c'est du gaspillage pardon, que je fais. Et je perds ma vie, je le sais. Voilà. Une deux rations, ça va. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas besoin pour eux. Ça y... Ah, bah voilà. Vive le sniper. Snake, j'ai peut-être pas bien fait d'utiliser le sniper. Snake, jetez un coup d'œil, hein, qu'une pluie de balles ne tomba. La voie était libre. Énorme chose recouverte d'une bâche domina la soute. Pas d'erreur, c'était le Metal Gear, l'arme la plus sophistiquée du 21e siècle. L'an sentant l'endroit désert. Snake s'approcha, hein, c'était pas assez tout petit, mais il ne vit rien qu'une carcasse décrépite. Le blindage était piqué de rouille, il était recouvert d'une épaisse couche de poussière, hein, vieux et dépassé, il n'avait pas dû servir depuis plus de 10 ans. Prends pas cet air dégoûté. Ce que tu as devant toi est un somptueux héritage laissé par mon distingué prédécesseur. Il mérite plus. Sergei Gurlovkovitch. Jette ton arme, force dis-moi, ouais, effectivement. Tira quelqu'un. C'était Meryl. Snake vit le canon, se fit lentement le contour de son mince cou blanc et s'arrêtait au coin de sa bouche. Il jeta son arme. Voilà qui est sage. Très bien, Gurlovkovitch lâche là, Meryl libéra de l'emprise, qui braqua son arme sur Snake. Il jeta un coup d'œil. C'était toi la fuite? Soudain, Snake comprit ce qui se passait. What? Meryl était de mèche avec lui, c'était qu'il voulait dire, c'était toi la suite. Meryl ne répondit pas, qu'il fait ses craintes, mais pourquoi? Si je disais que c'était la dernière volonté de mon père. Meryl avec Gurlovkovitch. Meryl regardait Snake d'un air implorant. Pars, impossible. Arma son revolver, je vais donc devoir me débarrasser de toi. Il tira sur la gâchette. Non, Meryl tira la main de Gurlovkovitch, la balle dévia et frappa le sol entre les pieds de Snake. Nous avons un accord, tu as promis de ne pas le tuer. Snake profita de l'intermède pour récupérer son USP et s'enfuir. En courant, il entendit Gurlovkovitch appeler furieusement les hommes. Tuez-le. Snake entendit Meryl essayer de l'arrêter. Mais sa seule pensée est de s'enfuir le plus vite possible. Donc faut que je me casse d'ici. Je crois que je me rappelle de ce passage-là et que j'avais très galéré. Je vous le dis. Ah, je mens pas. Bon, bah on va s'amuser. Je crois me rappeler que c'est très dur. Ah, bah tiens. Alors ça, c'est bizarre du monde. Ration.
Merci. 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 Tirer à salle régulière. Regardez, c'est pas beau ce que je fais. Et je l'ai pas fait hein, depuis. Hein. Ah! What? Mais... Bordel de... Boum, boum, boum! Vite, vite! Non! Ah! Ah, shit! Je peux pas ouvrir la porte tant qu'il me barre le passage. Allez, tire ta grenade stun, espèce de... Espèce de timbre, hey! Tiens, c'est cadeau. Voilà. Vite, vite, vite. Voilà, t'as réussi. Go, 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 go. Phew. Ah, j'ai réussi. Snake ferme la porte étanche derrière lui. Il tourne à la poignée. Il devra laisser un. Hein. Meryl Gorvikvitch, la voix de Campbell tremblait. Meryl a parlé de la dernière volonté de son père. Mais qu'est-ce que ton frère faisait dans ce pays, bon sang? La première guerre froide, alors que le pays était... Hein. Matt Campbell, il participait une fois à la guerre froide. Le projet prit fin. Les Américains se parlaient à quitter le pays. Matt, sans permission, d'accord. Ayant perdu son année, le régime pro-américain dut faire face à des soulèvements armés. Le corps de Matt fut découvert plus tard. L'espèce naze était derrière l'insurrection. Elle et le nom de son commandant était Garley. Putain. Sergei Gorlukovitch. Certains disent que Matt collaborait avec Gorlukovitch, mais je ne le crois pas. À l'instant, Campbell laissait entendre qu'il pensait que Gorlukovitch avait tué Matt. C'est pour ça que tu es obsédé par Gorlukovitch depuis, demande à Snake. Oui. Tu vois aussi, tu étais du projet, non, le règlement l'interdit. Donc oui, apparemment, Gorlukovitch aurait peut-être tué le frère de Campbell. Pas de membre de la même famille dans une opération, ça pourrait fausser le jugement, c'est tout. Je suppose que Matt alors voulait une distance entre nous. Le vieux Metal Gear que tu as vu est le résultat de ce projet, c'est tout ce que je sais. Toute l'affaire est hautement confidentielle, les dossiers sont encore sous scellé. Je le crois, pense à Snake, après tout, il est naturel d'essayer d'oublier les horreurs du passé. Il est peut-être encore équipé d'une clé active, prévoit sûrement de faire rien. Tu dois changer la navire de direction, va sur la passerelle. Ah, faut qu'on retourne tout en haut, faut qu'on retourne tout en haut, bordel. Fuck. Fuck, fuck. Well, let's go. Faut qu'on retourne tout en haut. Oui, parce qu'apparemment, il y aurait peut-être des têtes nucléaires dessus, donc faut éviter un tout incident, n'est-ce pas? Ok. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un M9. La mauvaise nouvelle... C'est qu'il faut refaire tout le chemin. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai un M9. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut refaire tout le chemin. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai un M9. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut refaire tout le chemin. Mais la bonne nouvelle... Bon, j'arrête. Je sais que c'est chiant. Personne. Est-ce que c'est ouvert de ce côté-là? Parce que ça se trouve, on peut repasser par là. Du coup, on gagnerait du temps. Non, forcément, ça m'aurait étonné. Et du monde? Ah, il y a l'autre là-bas encore. Puis c'est ok. Touché. Voilà, lui c'est fait. Où est-ce qu'il y en a un encore? Allez, fais dodo. A fait dodo. Je l'ai touché, hein. Voilà. Voilà. J'ai cru en voir juste en dessous, là. J'ai pas rêvé, quand même. Je crois voir un à côté du garde qui était évanoui, après il a dû se barrer par les escaliers, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je sais plus. Well, fuck it. Let's go. Ah, il est là. Il est là. Il est là, le copain. Je le savais bien que j'avais vu quelqu'un.
Ah oui, d'accord, je suis obligé de passer par là, c'est ça? Are you kidding me? Bordel. Normalement, j'ai assez de fléchettes tranquillisantes hein, pour tout le monde. Allez, on va changer le navire de direction. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est la dernière chose à faire. Ah, je me rappelais plus que c'était aussi long dans cette mission-là, dis donc. Enfin, que cette mission-là était aussi longue. Ah, c'est par là. C'est bon, si je me bloque tout seul. Il s'est déjà réveillé. Ah non, c'est pas lui qui avait endormi. D'accord. Peut-être pour ça. Vas-y, 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 vas-y. Allez, reviens par là. Reviens, reviens, reviens. Fais dodo. Voilà. Normalement, c'est tout. Oh, il y a un truc là-bas. Balle de M9. Non, M4 ça. Non, M9, M4, M9. M9. Parce que j'allais dire, si c'était des balles de M4, ça allait être mauvais signe. C'est-à-dire qu'il y a de l'action probablement. Enfin, peut-être plus tard. Ce qui est mauvais signe. Ah. Les objets peuvent être ajoutés hein, sous les trucs. Parce que là, les balles, je suis pas sûr qu'elles y étaient la première fois que je suis passé là-bas. Ok, bon. On refait route inverse. Go, go, go. On est reparti. Je sais pas s'il y a quelqu'un, il y a personne. Allez, voilà. Faut qu'on remonte tout en haut. Comment dire, comment on appelle ça? Quelqu'un par là, non? Personne ici? Et juste à côté, mais il va se barrer, je pense. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Alors, faut aller là-haut, hein. C'est pour ça, mais j'attends que l'autre passe. Normalement, il y a que 3 soldats ici. Allez, 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 allez. On a combien de temps de vidéo? 1 heure. Ouah, comment que c'est trop long. 1 heure pour cette mission. Ah non, un peu moins, 50 minutes, pardon, je dis des bêtises. Il y a des boucles là-bas. Ah, ça y est, il arrive, je pense. Il est dans le bar, puis là, il revient. Allez! Quand tu veux, je sais qu'il va revenir. Hein. Bon ben. Oui, là-bas. Il arrive, peut-être. Ça se trouve, il vient pas du tout. Hein. Je fais n'importe quoi depuis le début. J'attends pour rien. Bon. Là on va le croiser normalement. Ah. Allez montre. Enfin montre-toi. Allez. Il est dans le bar. Oh je l'ai eu. C'est tout? Y'a que ça? Y'a quoi ici? Ah bah le voilà. Bon bah c'est trop tard mais en même temps est-ce que j'allais vraiment le chercher ici? Oh des boucles. Ça m'aurait servi mais plus tard. Enfin, plutôt, pardon. Je dis des bêtises. Du coup, c'est de quel côté? C'est par là. C'est fermé. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est par là. Alors. Ah! Le nombre de soldats qu'il y a. Ouais, j'y vais à l'arrache, je sais. Allez, prends-le. Oh la vache. On va faire le l'agent secret propre quand même. Tiens, je te mets là. Paf. La porte dans la bouche. Quelqu'un peut... Ouf, je savais qu'il y avait quelqu'un. Freeze. J'ai eu du mal, hein. Vous avez vu, j'ai appuyé, mais en fait, il a pas fait freeze. Peut-être fait trop tôt ou trop tard, je sais pas. Je sais pas. M'en fous. Ouah, comment il m'a pas vu? Eh ben, je m'en fous. Allez, go! On a presque fini. Pour cette mission.
Ah bah lui, ok. Toi, tu vas te cacher. J'ai plus de chaff, non? J'ai plus de chaff. Bon, bah ça sera les caméras à la main. De toute façon, j'ai un silencieux. Piou! 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 Voilà. J'ai pas d'autres caméras normalement. Voilà. Go, go, go! Allez, plus qu'un étage à monter à celui-là. Les rayons n'ont pas changé. Les rayons n'ont pas changé. Enfin, de toute façon, je sais pas pourquoi je regarde. Si, ils ont un petit peu changé. Pourquoi regardais-je? Voyons. Hop là, ouais, parfait. Bon bah c'est bon. Allez, on y va. Bon bah ça va, je me suis pas trop mal démerdé ici. Alors... Ah, c'est pas la fin, c'est pas grave. Snake se rendit sur la passerelle, derrière la fenêtre à l'abri de la tempête, il vit la silhouette de Meryl. Il ouvrit la porte étanche et avança dans la salle de navigation. Meryl se retourna, tu es en retard. Tu m'attendais. Personne ne nous interrompra ici, j'ai quelque chose à te dire. Pourquoi tu aides l'homme qui a tué ton père? C'est ce que mon oncle t'a dit. Il a menti. Il déra, Matt Campbell est chargé de veiller à la stabilité. Ok. D'abord il choisissait un bon candidat, ensuite il un point faible, puis s'en servait pour le faire chanter, puis il tendait de sa carotte. Ok, en vendant ça, d'accord. Mettez pause comme d'hab. Il se mit à reprocher aux Américains de leur... d'accord, d'accord, il a préféré l'indépendance. Matt essaie d'aider les guérillas à créer leur propre faction, une sorte de big boss, quoi. Enfin, un peu moins. Un peu moins. Une sorte de chef de... Voilà, de... qui est chef d'une nation, on va dire ça comme ça. Un souleveur de nation, un révolutionnaire. Et quel meilleur cadeau leur faire qu'un char nucléaire marchant à deux pédales développé à Eldera, bien sûr, à Metal Gear, qui soutenait également voler le Metal Gear de la base américaine, mais leur plan fut découvert et les Américains exécutèrent Matt, le père de Meryl avait été puni, tu le prix à payer pour avoir... Cependant, 6 mois son existence avait été certifiée, les Marines avaient été envoyés pour récupérer leur honteux secret perdu depuis longtemps. Après avoir entendu la véritable version du Golovkovitch, Meryl a accepté... Il soutenait toujours les rebelles ainsi qu'elle perpétuait le souvenir, c'est ce que le TVJ, oui, demanda Snake. Snake secoua la tête, il n'était jamais venu à l'esprit qu'il pouvait mentir. Mais regarde, hein, tu ne vas pas me laisser m'enfuir, hein. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Meryl sortit son revolver et le braqua sur Snake. Tu ne vas pas me tuer, dit Snake. Tu pousses LDR, débloquer la sécurité, regarde. Wow, on va faire un solide Snake face à Meryl. Et rappelez-vous, je vous jure que j'ai fait ça au hasard. Dans la vidéo bonus de Metal Gear Solid 2, vous savez, il y a les cinématiques où on peut choisir des acteurs. Et sans le vouloir, j'ai fait à ce moment-là, aller au même lieu, Meryl face à ce Solid Snake, dans la cinématique, mais sans le vouloir. Enfin si, je l'ai voulu, mais c'était pas, je savais pas que c'était de la mission. Et du coup, bah on est parti. Meryl face à Solid Snake, let's go. There. Who do you think you are? Wouah! J'ai fait n'importe quoi, j'ai pas pris ma ration. Ce fail. Non, bah je suis désolé, c'est de ma faute. J'ai pas pris ma ration. Par contre, elle fait mal avec son truc. Qu'est-ce qu'elle fait mal? Aïe 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 aïe. J'ai qu'une ration. Ouah, ce... Non, t'es sérieuse? Bordel. Bordel, bordel. Ça va être dur. Yeah. Yes, ça la touche. Ça va être facile alors. Là, c'est pour moi ça. Ça va être facile, hein. Ah, j'aurais pas dû reprendre une. Ouah, comment que ça la touche plus. La voix d'Olga, j'adore. Ah, tu ne sais pas où je suis. Ah. D'accord. Take this. Vous avez vu que son fusil, enfin son, ça va être son Desert Eagle, fait très mal. Ça, il n'y a pas de doute. Yeah. Bon, on recommence. Tac. Je sais que c'est la manière facile, mais c'est pas grave. Paf. Ok. On va
Ouais, mais tu crois que tu vas faire quoi en faisant ça? Franchement. Est-ce que ça la touche là? Non. Vu qu'elle est derrière sa bâche, faut que j'y lance! Je sais pas si elle l'a eu. Yes! Parfait! Voilà. Donc là, les devants, faut que je le mette là. De toute façon, il va falloir la tirer dessus dès qu'elle essaiera de lancer sa grenade. D'accord? Oui, je choisis la facilité, mais vu son desert eagle de ouf, qui me fait perdre je ne sais combien. Tiens, c'est cadeau. Allez, encore. Ah, la dernière, c'est cadeau. En plus, elle est bien, bien où qu'il faut. Oh yeah! Vas-y, lance ta grenade. Lance ta grenade. N'aie pas peur, ça va bien se passer. Je sais même pas s'il y a des rations d'ailleurs. Non, il n'y a pas de rations. Taille! Magnifique, on a battu Meryl, c'est pas beau ça? Alors, Snake regarda Meryl s'effondrer sur le sol explosif vers elle et l'a pris dans ses bras. Heureusement, elle avait simplement perdu connaissance. Bah oui, il serra très fort qu'on ne t'inquiète pas pour ça, dit une voix derrière son dos. C'était Gurdukovic, il tenait un revolver. Pourquoi tu utilisais Meryl? Demanda Snake en lui disant pour contrôler. Utiliser! Je lui ai seulement dit ce qu'elle voulait savoir. D'accord, d'accord. J'ai peut-être embelli la vérité. Après tout, les gens croient ce qu'ils veulent bien croire. C'est pour te venger du colonel, bien sûr. Il mérite de souffrir. Je veux qu'il souffre. Gna 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 gna. N'hésitez pas à mettre pause. Hein. Je lis en diagonale parce que j'ai pas le temps. Sinon, avec la vidéo, c'est Matt qui l'a dit en mourant. C'est donc toi qui as tué Matt. Les yeux de Gorlovich s'obscurcirent. Il n'y aura pas au guérilla d'Elderida, mais moi et mes hommes en d'autres plans. D'accord. Mais c'est toujours en or précieuse de notre époque. Éclata de rire. C'est la dernière aventure de Matt Campbell. C'était son intention depuis le départ. Tu ne crois pas, demande-lui toi-même. En enfer. En enfer! Un coup de feu déchireur. Gurdukovic tomba au sol. Le coup avait été tiré par Meryl. Se remit péniblement sur ses pieds. Meryl, ne dis rien, s'il te plaît. D'accord. Finalement. Ok, j'ai compris l'histoire. Relisez, hein. Ok. Ah merde, j'ai pas eu le temps de lire. Tac, tac, tac. D'accord. Matt me détestait. Pas que moi, il détestait également sa femme et Meryl. Ah ah! Meryl est ma fille. La fille de Campbell, oh mon dieu. Là c'est un vrai faux spoiler en fait finalement. Bon bah alerte spoiler pour ceux qui ne le savent pas, mais en fait c'est véritablement sa fille, mais on le sait normalement, on l'apprend que dans Metal Gear Solid 4, non pas dans le 2. Voilà. C'est regarda Campbell avec incrédulité. Donc toi, la femme de ton toi et la femme de ton frère, Campbell hocha la tête, je sais, c'est un problème, je pensais qu'elle. Mais là c'était pas la vraie histoire par contre. Ok. Ça se volait son cœur. Est-ce que Meryl le sait? Non, mais j'allais lui dire. Le face se dirigea vers la salle de la visite en le regardant se manier de loin. Snake se dit que Meryl mettrait du temps à accepter la vérité. Il n'est même pas sûr qu'elle reconnaisse que Campbell était son père, mais pour lui. Il n'y avait plus de place pour la haine en ce monde. Et voilà la dernière phrase de cette mission qui fut extrêmement longue. Ça fait au moins une heure, bordel. Une heure. Confidential Legacy. Donc vous voyez là, preuve d'une petite originalité, on a affronté Meryl, c'est quand même beau. Même si on était avec Solid Snake dans le tanker, habillé toujours quand même de sa petite sorte de doudoune, je ne sais quoi là. En tout cas, voilà, il ne nous reste plus que deux missions. Qu'est-ce qu'elle fut longue celle-là, bordel! Après, c'est moi qui avance à deux à l'heure, mais quand même quoi. Quand même. En tout cas, voilà, il nous reste plus que deux missions, dont une où. J'avais déjà pratiquement à peu près spoilé, hein, c'était l'histoire d'un monstre, je crois. Je sais plus. De toute façon, on verra. Voilà pour la troisième mission sur 5, dont vous voyez que la difficulté est au-dessus quand même, parce que là, on n'a pas de radar. Ça ressemble au mode extrême, mais c'est pas extrême non plus, mais... On va dire que c'est difficile, pas extrême. Parce que c'est extrême. Par contre, le Desert Eagle de Meryl, les dégâts qu'il fait, c'est incroyable. Je pensais pas que j'allais mourir la première fois, en même temps j'avais pas mis les rations comme un abruti, mais sinon voilà. Vous voyez qu'avec le M9 c'est tout de suite plus facile, hein. On n'est pas, parce que comme j'avais l'autre, c'est pas le SOCOM mais c'est le USP, je pouvais pas tirer parce que j'avais pas de silencieux à la base, donc obligé d'y aller à la mano et sans se faire repérer.
Bon, est-ce que je commence la mission tout de suite ou pas? L'autre mission, je parle. J'hésite, hein, franchement, j'hésite. Le problème, c'est que cette vidéo-là, après, quand je l'uploaderai, ça serait hyper long. 1 heure? Ouais, 1 heure. Une heure. Non, bah, ça va être tout pour cette mission. Ça sera la seule mission que je mettrai dans cette vidéo. Dans l'autre vidéo, j'espère mettre les deux. Du coup, un continu, une alerte, 48 personnes tuées, 4 rations. Bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Alors, je vais enregistrer par-dessus. Non, non, pas par-dessus celle-là. C'était l'original, ça. On va enregistrer là. D'ailleurs, j'aurais dû vous montrer la date, j'ai pas fait gaffe. Snaketail Sea Cleared. Je devrais voir un truc que. Alors, juste pour vous montrer si je peux voir. Donc, vous voyez, il me reste deux missions. Je les ferai plus tard, juste pour voir si je peux revoir la date à laquelle j'avais enregistré, justement. Chargé, voilà. Chargé, chargé. Vas-y, vas-y. Ah, ça peut être marqué. Bah tant pis. Bon bah voilà, j'espère que vous avez apprécié. On se donne rendez-vous pour les deux dernières Snake Tales, n'est-ce pas? Dead Man Whispers et External Gazer. Je crois qu'il y en a une de courte. Enfin, je sais plus. Enfin bref, on verra bien. Je ferai les deux sûrs dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et salut à tous. Allez, ciao.